don't think shit, stink pink gators. My Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if they head right, Biggie there, and I. Papa been school since days of under rules. Never lose, never choose to. Bruise, cruise, who? Do something to us, talk go through us. Girls walk to us, wanna do us, screw us, who us? Yeah, Papa and Pump. Close like Starsky and Hutch, stick to clutch. Here I squeeze three at your cherry M3. Bang every MC easily. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Alma Mikanouté, 32 ans, militant associatif, cofondateur du mouvement politique Émergence, indépendant, sans étiquette. Et puis je milite, comme on me présente souvent, comme militant des injustices et des inégalités qui nous touchent de plein fouet. Donc que ce soit au sein de la communauté ou sur le plan de la citoyenneté. Alors mon itinéraire, bon, je vais essayer de faire court. Alors j'ai eu un parcours normal, hein. J'ai grandi dans un quartier populaire dans le Val-de-Marne, à Fresnes, donc une ville de 26 000 habitants. Donc j'ai eu un parcours, banal dans mon adolescence, hein, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs. Ensuite j'ai fini par m'investir dans la vie associative à partir de 80... Bon, j'étais déjà investi, mais j'ai créé mon association en 2002. Donc ça fait 10 ans qu'elle existe. Donc 93e avenue. Donc je suis président de cette association qui en quelque sorte assure la promotion de l'interculturalité et l'intergénérationnelle. Et pendant mon parcours associatif, j'ai été amené à rencontrer certaines difficultés, à être confronté à certaines réalités, que ce soit sur le plan social, professionnel et militant, ce qui m'a poussé en quelque sorte à me retrouver à faire de la politique, chose que je n'aurais jamais imaginé à l'époque où j'étais adolescent. Bon, on va dire que les gens ont tendance à prendre des raccourcis ou à caricaturer pour faire court. Hein. Effectivement, on m'a souvent vu, on me voit souvent encore dans les manifestations quand effectivement des membres de la communauté noire vivant en France subissent des injustices, des inégalités. Mais ce que les gens ne cherchent pas à savoir, c'est que je ne m'arrête pas qu'à la communauté, c'est que ce que je fais au sein de la communauté, je le fais aussi pour tout type de citoyen. C'est-à-dire que je vais me retrouver dans des situations, que ce soit des agressions, du racisme, ou quelle que soit l'injustice, et quelle que soit la personne qui est visée, une fois que je suis interpellé ou je suis mis au courant de la situation, j'interviens. Mais là, en tant que citoyen, effectivement, la communauté, puisqu'on a plutôt tendance à faire, là je caricature, à faire que la fête, pour certains, je sors du lot, alors qu'on est vachement nombreux à être militants et vigilants sur ces questions-là. Alors ma vision des cités, des quartiers populaires, la solidarité que j'ai connue à une certaine époque n'existe plus, parce que ça a été cassé par, certains politiques, hein, la fracture sociale qui a engendré tout un tas de situations. Là je vais en citer un, par exemple, le renfermement sur soi. Donc à une certaine époque, toutes les familles, qu'elles soient soninkées, bambara, congolaises ou d'origine algérienne ou même bretonne, ont partagé nos spécialités culinaires, et aujourd'hui ça on ne le voit plus. Et moi, c'est des choses qui m'interpellent, puisque comme je suis très, très sensible sur les questions de l'interculturalité et l'intergénérationnel, je me dis c'est pour moi, ça a une importance, le fait de partager. Alors ce malaise, ça dépend sous quel angle il le présente. Si je dois parler d'un malaise, je parlerai de ce malaise qui fait qu'aujourd'hui, nos politiques ont déserté les cités. Ça, c'est une réalité. Le malaise est plus profond pour les habitants des cités que pour les politiques.
parce qu'ils ont quand même été élus pour certains par le biais du suffrage. Et il me semble que la plupart, quand ils ont besoin des voix, ils savent où aller. Et ils savent où aller trouver ces voix. Et là, on a eu cet exemple-là dans le cadre des présidentielles. Et ce qui est malheureux, c'est que les gens oublient vite. Ça veut dire que pendant 5 années ou 6 années, peu importe le statut ou l'échéance électorale qui est en cours, on vous oublie. Et à la veille des échéances, on vient vous voir, comme si de rien n'était. Pourquoi avoir franchi le pas? Parce que j'attendais après une idéologie, un parti et des mouvements dits de gauche. Et après analyse et après constat, je me rends compte que ces valeurs sont censées être portées et protégées par des hommes et des femmes de gauche, ne le sont plus malheureusement. C'est-à-dire aujourd'hui, on est noyé dans des situations de stigmatisation, de xénophobie. Et c'est des situations qu'on a laissées pourrir. Et aujourd'hui, on se rend compte qu'on a énormément de mal à se faire respecter ou à être vu comme des citoyens à part entière. Aujourd'hui, on va d'abord se préoccuper de ce qu'on renvoie extérieurement au lieu de chercher à savoir ce qu'on est au fond de nous-mêmes. Aucun des deux. Pourquoi ? Comme pour le premier tour, pour moi, l'offre politique qui s'est présentée à moi, je n'ai pas été réellement interpellé. Je n'ai pas été réellement interpellé parce que, comme tu as pu me le souligner, les questions de quartiers populaires, des cités, ou que ce soit des milieux ruraux ou des départements d'outre-mer, aucun des candidats n'a eu l'audace de présenter et faire des propositions fortes et axées sur des situations qui pourrissent depuis maintenant plus de 30 années. Donc, je vais aller faire mon devoir de citoyen, mais par contre, mon bulletin sera blanc. Alors, c'est une communauté qui a énormément de potentiel, qui a énormément de force, qui a énormément de volonté, qui a énormément de l'ambition. Et je trouve que tout ça est gâché dans un manque d'ouverture, mais on a encore du mal à se mettre tous autour d'une table, à être porté par une seule et même voix ou une seule et même structure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on le voit dans l'événementiel. Quand quelqu'un réussit dans un événement, un autre veut faire la même chose. Alors que le premier réflexe qu'on doit avoir, c'est son événement fonctionne, je viens appuyer. Je rentre dedans pour renforcer. C'est parce que c'est tout le monde qui va monter. Mais notre problème, et je pense que ça ne s'arrête pas qu'à la communauté Sonicé, c'est que à chaque fois que quelqu'un a une bonne initiative ou quelqu'un réussit, on veut forcément faire le même parcours ou prendre sa place. Alors que non. Normalement, on doit être solidaire jusqu'au bout, de A à Z. Et après, les choses pourront, naturellement remonter. Mais le problème, c'est le manque de solidarité, le manque de réactivité. Par exemple, voilà, je suis très actif sur les questions de cause noire. Et c'est très vaste quand on parle de la cause noire. C'est-à-dire, on peut parler des ethnies, on peut parler des pays, on peut parler des ex-colonies. On peut parler de communautés. Par exemple, en France, on peut parler de communauté entre nous, mais le problème, c'est que la communauté n'existe pas, financièrement parlant, en France. Française. C'est pas la seule communauté, mais c'est vrai que je trouve que trop souvent on a plutôt tendance à se plaindre qu'à se battre ou à se défendre. Tout simplement le fait de se défendre, c'est pas quelque chose de mal, c'est pas quelque chose de méchant. Mais quand on nous marche sur les pieds tous les jours, est-ce qu'on devrait se laisser faire ou signaler à la personne qui nous marche sur le pied qu'elle est en train de me faire mal quand même? Même si je n'émets pas de bruit dans l'instant T. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a ce manque de réactivité et cette conscientisation qui n'est pas globale. C'est-à-dire on sait d'où on vient, mais on ne revendique pas cette force-là et cette richesse-là.
Moi, effectivement, je le fais, j'en profite, puisque je le fais à travers mes actions, quand les gens me demandent, quand ils essayent de savoir je suis de quelle origine ou autre. Mais c'est un plaisir pour moi de le partager avec d'autres communautés et avec d'autres citoyens qui ont aussi qui ont envie d'apprendre, qui ont cette soif de savoir. On enferme trop souvent la banlieue justement par les politiques, déjà dans un premier temps. Quelques médias véhiculent ces propos-là. Et on ne peut pas, et malheureusement il n'y a personne en face pour contredire ou pour poser des arguments contre ces vérités qui, pour certains, sont banalisées. Et je ne veux pas dire que ce sont des mensonges, parce qu'il existe des choses négatives dans les quartiers. Mais est-ce qu'il existe que ça? Il y a d'autant plus de choses positives que de choses négatives. C'est des groupuscules qui font leurs petites affaires. Alors, on nous parle d'une police. Ben, que la police fasse son boulot. Mais qu'on ne vienne pas rejeter sur la population ou les populations qui vivent dans ces quartiers-là, les abandonner sous prétexte qu'il y aurait des business, qu'il y aurait de l'agression et autres. Et les premières victimes de la violence et de l'insécurité, ce sont les personnes qui habitent dans ces zones abandonnées. Et les politiques auront beau continuer à tenir ce discours. Alors, c'est un mouvement politique qui est composé de plusieurs forces locales qui ont vu le jour en 2008, lors des municipales de 2008. Donc là, actuellement, on a fait un petit peu le tour de certaines villes en France et puis de l'Île-de-France. Pour rencontrer des potentiels candidats pour les futures législatives, donc qui se dérouleront le 10 et le 17 juin. Tout simplement parce que je reviens sur le fait que l'offre politique actuelle, quel que soit le bord politique, ne correspond pas du tout aux attentes et aux ambitions des citoyens que nous représentons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la politique que nous subissons, on ne doit plus la subir. On ne doit plus être observateur, on doit être acteur. Et aujourd'hui, voilà, je fais partie de ces acteurs qui veulent contribuer à la démocratie locale, nationale, départementale. Et ça, avec des mouvements ou des organisations politiques comme on les voit. Et non rentrer dans des sphères ou des machines politiques qui ne font que broyer ou fabriquer des moutons. Alors cette barbe-là n'a pas une signification spécifique à ma religion, puisque je l'évoque très souvent. Effectivement, beaucoup de gens vont se dire « Ah, il porte une barbe, forcément, mais il n'y a pas que chez les musulmans qu'on trouve des barbus, on en trouve chez les orthodoxes aussi, par exemple. On en trouve chez d'autres cultes. Ma barbe, c'est un mix, voilà, je le prends comme ça, c'est un mix de cette fierté d'avoir l'afro, à défaut de pas avoir d'avoir le crâne rasé. Donc c'est la fierté d'avoir l'afro et puis cette fierté aussi de m'assumer pleinement en tant qu'individu et de m'assumer et puis qu'on puisse m'accepter comme je suis. Et ne pas être, et ne pas être celui que qui soit. Voilà, celui que certains voudraient que je sois. Comment je vois, c'est-à-dire dans l'évolution, j'espère qu'un jour on réussira à créer un congrès ou une fédération des associations ou des forces soninkées en France. Comme certaines communautés ont réussi à le faire, sans, je ne veux pas dire sans difficulté, mais parce qu'il y a des difficultés dans tout domaine. J'espère qu'on y arrivera et qu'on arrêtera de se quereller sur des histoires de gestion ou de prise de pouvoir ou des choses qui nous font perdre du temps. Voilà. J'espère qu'on ira réellement de l'avant, parce que quand je prends l'exemple de ce qui peut se passer dans les différents pays dans lesquels nous sommes répartis, il y a un gros travail à faire encore. Il y a un gros travail à faire sur le plan de l'implication de nos communautés dans leurs pays respectifs.
Bah, comment je vis ce problème? C'est tout simplement, et là je parlais pour l'Afrique tout entière, c'est qu'à partir du moment où on décide de diriger un pays comme les ex-colonisateurs nous l'ont appris, on aura toujours des problèmes. Effectivement, le Mali est présenté comme a été présenté comme le pays le plus exemplaire sur le plan de sa démocratie. Mais à un moment donné, on arrive au bout. On arrive au bout et on ne peut pas continuer à faire croire à la population que les hommes au pouvoir, en mimant une organisation qui n'est pas une organisation africaine, traditionnelle, qu'on peut arriver à voir le bout. Aujourd'hui, il est anormal que ces ex-colonies comme le Mali fassent partie de ces pays qui sont encore dans la liste des pays les plus endettés du monde et fassent partie de ces pays qui doivent de l'argent à l'Occident. Ça, c'est pas normal. Et malheureusement, je vais revenir un petit peu en arrière, les hommes qui avaient commencé à ouvrir la brèche, malheureusement, se sont fait supprimer. Ils se sont fait supprimer, on sait pourquoi ils se sont fait supprimer. Et quand on décide de supprimer quelques chefs d'État exemplaires qui tiennent tête aux forces occidentales, eh ben, on en pioche quelques-uns et on fait en sorte que ça soit public ou ça soit bien véhiculé pour que les autres restent tranquilles. Alors, le dernier mot, Almami? Ben, le dernier mot, ben, j'espère que le Mali retrouvera très rapidement la paix et que la situation soit réglée par tous les moyens possibles, et possibles surtout, et que la population puisse commencer à se prendre réellement en main, même au niveau de sa sécurité. Merci.